Alors moi je suis Alvaro Martinez León, compositeur, chef de chœur, performeur. Je m'intéresse beaucoup aux formes pluridisciplinaires en partant toujours du son, que ce soit de l'immersif, du participatif, tout ce qui sort du frontal, du rapport frontal avec le public. Sina Pegami, musicien, compositeur, artiste sonore. J'aime travailler avec des dispositifs que je mets en place et qui me donnent une grande liberté sur l'improvisation et l'interprétation in situ. Le projet, déjà, il part d'une collaboration entre la Muse en Circuit et le Château de Fontainebleau. Chaque année au Château de Fontainebleau, il y a le Festival de l'Histoire de l'Art qui est soumis à un thème, et cette année, c'était le thème de l'animal, de l'animalité. Et avec les écoles, nous, on s'est inspiré du bestiaire du Château de Fontainebleau, qui est présent à la fois dans son extérieur, c'est-à-dire ses jardins, son étang, mais aussi dans les fresques et dans les salles qui sont présentes à l'intérieur du château. Il y a toute une histoire animale du château. On s'est basé là-dessus pour travailler avec les élèves. Ce qui nous intéressait particulièrement, c'était de voir quel est le rapport entre l'homme et l'animal, particulièrement entre les rois et les animaux par lesquels eux, ils voulaient se représenter, les devises que ces rois pouvaient utiliser. Et ces devises, on les a travaillées un peu comme de la poésie sonore, on a voulu les déformer avec les élèves, et on a questionné justement quel est le pouvoir d'une devise, d'un slogan, et à quel moment on sort du domaine du langage pour entrer dans le domaine musical. Ils ont travaillé avec Alvaro sur la pratique vocale, l'expression vocale, la poésie sonore, donc comment s'approprier des mots, les distordre jusqu'à leur faire perdre leur sens. Par-dessus ça, on a axé le travail plus sur le traitement électroacoustique, l'usage de la technologie pour venir modifier, distordre des sons, se les approprier, les transformer. Le premier atelier, c'est toujours, moi je dirais même mon préféré, parce que c'est celui où on les confronte d'une certaine manière à cette musique qu'ils n'ont jamais entendue, où on leur fait découvrir des pièces du répertoire. Forcément, on commence avec un peu des grands classiques comme Pierre-Henri, pour leur montrer que, en fait, si on prend Pierre-Henri, Variation pour porte et soupir, n'importe quel objet peut être une source de son, peut être une source d'inspiration artistique, et que la musique ne se limite pas aux instruments de musique que l'on connaît traditionnels. Et au niveau vocal, moi je dirais que c'était assez facile du fait que les enfants ils sont encore assez désinhibés, c'est-à-dire que leur patrimoine culturel n'est pas encore construit et ils vont avoir moins de préjugés pour se lancer dans des techniques vocales un peu particulières. La question d'imiter l'animal reste quelque chose de frais encore pour eux. Ce qui a été plus long à mettre en place, c'était comment leur faire comprendre que le langage peut devenir une matière sonore, une matière plastique, et comment décortiquer le langage en phonème, en sonorité, et comment refaire le tour pour revenir vers l'animal. Je suis loin. 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 Je suis loin.
Pour moi, c'est important de leur montrer que faire de l'art, c'était pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose qui est censé être dur. C'est quelque chose qui est censé nous amuser. C'est comme jouer avec de la pâte à modeler, en gros. C'est une métaphore que j'aime bien utiliser. Leur dire, voilà, si vous jouez avec de la pâte à modeler, vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes dans un processus de création, bah là, en fait, c'est la même chose qu'on est en train de faire. Moi, effectivement, j'essaye aussi de les ramener dans cette question ludique, cette approche ludique qui, moi, me plaît beaucoup dans mon propre travail. J'aime bien toujours me rapprocher de la scène ou de la composition d'une manière ludique. J'étais à ne jamais pas trop me prendre au sérieux, donc j'essaie de transmettre ça aux enfants d'une manière un peu désacralisante en général. Je pense que depuis le début, avec Sina, on s'est bien compris, parce que on leur apprend très vite à monter sur scène sans se poser des questions de s'ils vont faire le ridicule ou pas. Il est plus important de s'être dans le moment, dans l'improvisation.